L'état de vétusté avancé du pont de Nanga, situé à plus de 40 km de Ndendé, chef-lieu du département de la Dola, dans la province de Langounier, au sud Gabon, fait craindre le pire aux usagers de la route. Ce pont est un passage obligé pour les automobilistes qui empruntent l'axe routier Nyland-Ndendé pour se rendre dans la province voisine de la Nyanga ou rallier les autres départements de la province de Langounier. L'état de vétusté très avancé de ce pont, fait de matériel métallique et de bois, n'offre plus de garantie de sécurité et suscite plutôt l'inquiétude des automobilistes. La route est mauvaise, le pont est cassé. Que d'ici là, vraiment, les voitures ne vont plus passer, surtout ce sont surtout les poids lourds. Tout en se réjouissant des travaux du nouveau pont juxtaposé à l'actuel, les habitants du village Nanga lancent un cri d'alarme en direction des autorités compétentes afin qu'une solution rapide soit trouvée pour éviter tout drame. Dans la nuit, vous ne voyez pas bien au machin, la roue, le pied peut se tremper dans le fer et l'homme va avoir du mal ou bien les pieds cassés. Avec une partie de pont qui commence à se détacher de la ferraille en métal, laissant transparaître des clous à l'origine de la crevaison des pneus sur plusieurs véhicules. La construction du pont remonte à plus de 20 ans. C'est la seule voie de passage pour se rendre en Ndendé, Libamba, Malinga, Mbigu, Chibanga et même au Congo par voie terrestre.